Ça roule. Un plateau de tournage au restaurant Le Rétro 50. Des figurants, le groupe Nostalgie et un spécial télévisé qui sera présenté à Télé-Cogeco les 27, 29, 30 décembre et 1er janvier 2012. Et on va le refaire une fois de suite. On fait une grande partie de nos chansons qu'on fait déjà, puis quelques petites surprises de Noël, là, deux chansons de Noël qu'on a ajoutées au répertoire. Il y a beaucoup de chimie. On peut se dire les affaires telles qu'on les sent. Puis quand on trouve ça plus dur, moins dur, tu sais, on se parle beaucoup. Ce qui nous réunit, c'est justement l'amour de la musique. Tu sais, c'est comme on se dit à un moment donné, là, mettons, il y a une semaine qu'on se voit pas. On s'ennuie. Originaire de Trinité-des-Monts, le chanteur populaire Michel Stax fait partie des invités de la soirée. Je vais faire au Malili, ça c'est sûr. Je vais faire Gigolo aussi. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Ça c'est Jean-Claude Leclerc et Michel Desrosiers un matin en déjeunant qui ont pensé à cette idée-là. Et ça a pris forme tranquillement. Jean-Claude en a parlé au groupe. On a été tout de suite d'accord parce que, surtout ici, dans les locaux du Rétro 50, ça fait vraiment rétro. Ça nous a emballés. D'ailleurs, avec Jean-Claude, on est toujours surpris un peu de différents projets. Il nous a amenés en Floride, il nous a amenés au Capitole de Québec. C'est un gars qui a plein d'idées, qui a plein de contacts aussi. J'aime encore ça, j'ai ça encore dans le sang. Tant et aussi longtemps que j'aurai... Tant et aussi longtemps que j'aurai les papillons avant d'entrer en scène, je vais continuer. Il s'est bien conservé quand même. Ça n'enlève pas du tout le charisme des membres du groupe Nostalgie. Mais disons que c'est quand même un bel homme qui a une voix, c'est une voix là, qui gratte ici, là, qui vient te chercher. Là. Je ne pensais pas qu'après tant d'années où je me produis encore, qu'il y avait des gens qui suivaient, les baby boomers là, qui m'ont connu étant plus jeune, qui me suivent étonnamment. C'est le fun de les voir. Moi. Hier, on a fait les enregistrements audio et ce soir, ben, là, ça tourne. Et, c'est intéressant, le plateau, c'est intéressant à voir. Oui. Comme ça, j'ai dit OK, ça me va, moi, pourquoi pas. Ça vous fait revivre aussi tout le passé, les spectacles, la scène, les plateaux de caméra et tout ça? Oui, exactement. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas fait de scène de caméra comme ça, un bout ici, un bout là. Puis finalement, bien, ça va tourner quelque chose de bien.